On est le 11 mai, mardi, si je ne me trompe pas. Il a fait une bonne pluie pendant la nuit. Et la durance, elle charrie. Et là, elle charrie bien. Alors, c'est con, j'aurais dû faire des images avant du secteur. Il n'y avait pas d'eau. Là, il y a de l'eau. Hein. On va aller un peu sur le pont, regardez ça. Il y a le guide après en dessous. On va aller après à Saint-Clément. Voilà. Ouh la bête. Il y a de l'eau, hein? Les pauvres truites. Alors, le seul avantage qu'il y a, c'est que ça, enfin voilà, ça nettoie le fond de la rivière et ça la redessine. Parce que là, il y a plein d'arbres qui vont bouger et on en voit passer là. Ça change vachement les bras de la Durance quand même quand il fait comme ça. Mais les truites, elles vont un peu recevoir aussi quand même. Et nous voilà au fameux pont de Saint-Clément. Il y a de l'eau, mais, parce qu'il y a toujours un mais, en 2000, il y en avait plus. Alors ça peut encore monter, bien sûr, mais pour donner un ordre d'idée, en 2000, la Durance arrivait là, dans la rampe de mise à l'eau des kayaks. Donc elle avait un mètre de plus en hauteur. Ce qui n'empêche que là, il y a de la flotte quand même. Alors, vu les bouts de bois qu'il y a là au bord, je pense que cette nuit, elle était 20 ou 30 cm plus haut. Sinon, il n'y aurait pas tous ces bouts de bois là. Ça pousse, hein?